Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo, mais je ne vais pas vraiment vous montrer de séance d'orpaillage. Simplement, une petite vidéo pour plus ou moins clore la saison sur quelques cours d'eau où je vais habituellement à Genève. L'interdiction d'orpaillage a été levée la semaine passée. J'ai téléphoné à l'Office cantonal de l'agriculture et de la nature pour savoir si on avait le droit de venir orpailler. Et puis on m'a confirmé qu'en fait ces interdictions ont été levées la semaine passée. Malheureusement, à la fin de la semaine qui vient, les autorisations d'orpaillage arrive à échéance et on n'aura plus le droit d'orpailler jusqu'à l'année prochaine au mois de mai. Et voilà, c'est un petit peu avec tristesse que je suis venu aujourd'hui pour la dernière fois sur ce cours d'eau cette année. C'est un cours d'eau sur lequel je viens assez fréquemment avec mes amis. Malheureusement, cette année, avec les circonstances qu'il y a eu, c'était une saison, on va dire, quand même un petit peu pourrie. Ou avec la sécheresse, la canicule, et bien finalement les périodes dans lesquelles on a pu venir et puis orpailler et bien étaient extrêmement réduites, donc ça réduisait un petit peu les opportunités de venir, ce qui fait que finalement j'ai pu orpailler avec mes amis une seule fois et seulement avec un des deux avec qui je suis habituellement, ce qui fait que je suis quand même un petit peu triste pour ça. Et ça m'aurait fait plaisir de faire de nouveau une séance d'orpaillage avec Monsieur X et puis Laurent Fou. Donc voilà, je leur fais un petit coucou en passant et j'espère que l'année prochaine ce sera un petit peu mieux. Malgré tout, ce matin j'ai quand même gratté un petit peu dans cette rivière. C'est pas l'endroit dans lequel on va habituellement. J'ai des autres endroits où je vais quand je suis tout seul, de façon à préserver un petit peu notre spot pour finalement avoir une collaboration entre amis. Et puis donc ce matin, ben, j'ai quand même trouvé quelques jolies petites paillettes. Je vous montre quand même ça dans ma bâtée. J'ai justement vidé ma fiole tout à l'heure. Et puis voilà. Donc c'est pas des paillettes énormes, hein. On va pas se faire d'illusions. Mais par contre, elles sont quand même assez nombreuses. Voilà. J'espère que ce ne sera pas la dernière vidéo d'orpaillage de cette année. Malgré tout, si c'est le cas, je vous dis salut, à l'année prochaine. En attendant, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez quand même me mettre un petit pouce. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous pouvez vous abonner en appuyant sur le bouton « Abonnez-vous ». Et n'oubliez pas de mettre la petite cloche aussi pour être prévenu pour les prochaines vidéos. Salut !